On prépare quelque chose. Dis qu'on fait un spectacle, dis-le. Ah, mesdames et messieurs, on va faire un beau spectacle. Oui. Toi et moi, on va faire des exercices. Lève-toi. Tu es debout? C'est la musique qui nous dit à toi et à moi si on court vite ou lentement. On commence par courir lentement.
C'est assez lourd quand même. Mais vous avez juste 30 secondes. Est-ce qu'il va prendre un gars? Il est beau. Es-tu prêt à labourer? Un qui, moi? Ben oui, toi. Ça a l'air de te tenter sans bon sens de conduire ce tracteur-là. Tu veux dire que tu me laisses conduire ton tracteur pour vrai? Cette histoire. J'en ai connu des plus jeunes que toi qui m'ont déjà conduit, tu sais. Oh, il est gros, mais j'aime ça. Pour être gros, il est gros. Hé, pas peur. On va être à côté de toi. Bon, qu'est-ce que je fais? Ben pour commencer, tu tournes le bouton. Ici? Puisque les tracteurs, c'est pour quand on habite une ferme. Toi, t'habites pas une ferme. Je sais quand même conduire un petit peu les petits tracteurs. Thank you.
aussi un gros doigt. Un gros doigt qui pointe. Moi, celui du milieu. De l'occasion pour présenter un peu le groupe. Batabeat, c'est une espèce... merci, Marc. C'est une espèce de projet hétéroclite qu'on change à chaque fois. On change de musicien, on change de style. On essaie d'avoir une démarche un peu spéciale. Donc, on ne joue pas toujours de la musique pour enfants. J'aimerais prendre la peine de présenter les musiciens qui ont accepté de rentrer dans l'aventure cette fois-ci avec moi. Donc, Evelyne Lange, que vous avez entendu à la batterie ici. Marc Couturier ici,
qui fait plein d'effets sonores. Alex Todier, ici au vivant. Et pour rentrer plus loin dans mon délire, j'ai voulu faire un conte. Et j'ai demandé à la charmante ici, Amélie Prévost, de nous construire un conte. Un conte qui se voulait un hommage à Passepartout et qui se voulait dans la tradition des contes musicales. Il se voulait, on ne sait pas si c'est vraiment ça. On va essayer. Ça voulait beaucoup. C'est un trip qu'on se paye, donc on espère avoir l'attention de tout le monde. Et on espère que vous allez apprécier cette belle histoire. Toi, comment tu t'appelles? Il s'appelle Guillaume Soucy. Ah! Yes! Merci d'avoir parlé alors. Ça s'appelle donc Le papillon, le chat et les enfants de la forêt. Il était une fois une petite fille qui vivait au fond des bois, dans une grande maison avec un toit en pignon et une cheminée de pierre qui fumait été comme hiver. Dans la maison au fond de la forêt, il y avait aussi maman qui cultivait des légumes et des fruits et des plantes en pot, qui ramassait des œufs et n'en cassait jamais. C'était une grande maman, très mince, avec un grand, grand, grand cou et un pouce vert. Et puis, il y avait aussi papa. Un papa en noir et blanc, avec un habit et des petits yeux bleus brillants et un petit sourire en coin. Caché sous des amas de papier, papa calculait, recevait des clients et signait chaque jour des montagnes de documents importants. Et puis finalement, il y avait sœur aînée. Sœur aînée était presque aussi grande que maman, mais plus du tout une enfant. Elle ne jouait plus depuis très très longtemps, mais elle parlait sans arrêt. Bla bla bla, bla 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 bla, le fait d'hiver et un potin, des histoires à dormir de coups et une opinion sur tout ce qui avait été, était et allait être. La petite était donc bien entourée d'un papa de papier, d'une maman asperge, d'un grand-père soupière et d'une sœur gazette. Et moi, se dit-elle un jour, je suis qui, moi? Je n'aime pas beaucoup le papier ni les plantes en pot. Je ne sais ni compter ni raconter. Je n'ai rien que des joues ordinaires et un cou ordinaire et j'ai de trop petits doigts pour les chaudrons qui chauffent. Je suis rien! Et la petite fille se mit à bouder. Elle bouda, elle bouda, elle bouda pendant des jours et des heures et des semaines. Sa maman venait la voir parfois et lui disait « Ma chérie, souris un peu, il n'y a que les boudins qui boudent. »
Et puis parfois, c'était papa qui venait la voir et lui disait « Ma fille, au boulot, c'est dans le labeur qu'on trouve la bonne humeur. » Mais la petite boudait quand même. Même les petits plats sucrés de grand-père n'y firent rien. Même lorsqu'elle jouait à la poupée, elle jouait à la faire bouder. Mais un matin, alors que la petite fille faisait du boudin au petit déjeuner, sans filtre, sœur aînée se révolta. J'en ai assez, hurla-t-elle. Elle boude à longueur de journée. S'il fallait que je boude, moi, qu'est-ce qu'on m'en ferait voir? La maison est trop petite pour tout le monde. Papa et maman prennent toute la place. Et il faut en plus que j'endure les humeurs maussades de cet enfant gâté. Ça suffit, je m'en vais. Et elle claqua la porte de sa chambre. Là-dessus, la petite fille s'en fut boudée dehors. Dans la maison, grand-père Soupière, papa Papier et maman Asperge firent conciliabule. Sœur aînée a raison, dit papa en frappant la table avec son poing. La petite doit cesser de bouder, elle n'a aucune raison de se plaindre. Elle a une belle grande maison, de la bonne soupe et une grande famille. Nous devons sévir. Sévir, répondit maman Asperge. Sévir comment? Je connais ma fille. Si on la bouscule, elle ne boudera que plus obstinément. Papa et maman discutèrent donc ainsi quelque temps, alors que dans son coin, grand-père pétrissait une pâte à pain. Lorsque le pain fut au four, il alluma sa pipe et puis il dit « J'ai peut-être une idée. Je ne sais pas pourquoi la petite boude, mais il me semble que nous ne pouvons pas l'aider. » « Quoi ? » firent ensemble papa et maman. « J'ai un pied dans la tombe, » répondit grand-père. « Et vous êtes déjà vieux, même sœur aînée, presque adulte. Je crois qu'il faut que la petite ait des amis. » Papa, maman et grand-père s'assirent alors à table pour discuter de la meilleure manière de trouver, dans cette forêt éloignée, des amis pour la petite boudeuse. Ils discutèrent tant et tant qu'ils ne s'aperçurent pas que le temps passait. Puis, soudain, ils furent interrompus par un bruit sourd et humide. C'est mon estomac, dit grand-père. Il est passé midi, nous avons bien besoin d'un bon bol de soupe au chou et d'une tranche de pain frais. Je vais chercher la petite. Mais personne ne se doutait qu'il était beaucoup trop tard. La petite était déjà loin. Elle avait marché. Marcher dans les bois. Elle marchait si vite que le vent lui sifflait aux oreilles et que ses petits pas réguliers faisaient craquer souvent sous ses pieds les feuilles et les branches qui jonchaient le sentier. Et tout en filant droit devant elle, elle se répétait sans cesse « Je suis rien, je suis personne, je suis rien !» Et soudain, la petite s'arrêta net. Elle regarda autour d'elle et ne reconnut rien. Ni les grands arbres, ni les bosquets, ni les pierres. Et d'un coup, elle fondit en larmes. Parce que je vais t'aider à retrouver ton chemin.
Monsieur le papillon? Eh oui, c'est ça. Répète après moi. Tout droit, 200 pas. Allez, répète. Tout droit, 200 pas. Tout droit, 200 pas. Aux 1000 pattes, tu tournes à droite. Hein? Aux 1000 pattes? Mais c'est tout petit, un 1000 pattes, je ne le verrai jamais. On a déjà établi que tu étais... attentive, ouais, ouais. Allez, on reprend. Tout droit, 200 pas. Aux 1000 pattes, tu tournes à droite. Pique une course jusqu'à la fourche. Et la comptine du papillon continue ainsi jusqu'à ramener la boudeuse à la maison. La petite fille apprit donc par cœur toute la comptine du papillon et le quitta en trottinant à son rythme. Elle trottina et trottina et trottina, prit à droite 1000 pattes et puis courut. Puis elle fut prise d'une grande fatigue. Elle s'arrêta donc au bord de la rivière et s'assit sur une grosse roche. Je suis fatiguée. J'arriverai jamais à la maison, mes jambes sont trop petites. Je me souviens de la comptine du papillon, mais j'ai tellement envie de dormir. Et juste comme la petite fille découragée allait se remettre à pleurer, elle entendit dans son dos un petit pas feutré qui s'approchait. Bonjour, petite fille. C'était un magnifique chat gris. Il s'était arrêté à quelques pas de la petite fille. Bonjour, fit l'enfant. Et ils se regardèrent quelques instants en silence. Ça fait du bien, non? De se reposer un peu? Ouais. Sais-tu ce que je fais, moi? Quand je suis très fatiguée, je m'étire. Tu m'étires? Oui, continua le chat. Regarde et fais-le avec moi. C'est facile. Le plus important, c'est de respirer. Comme ceci. Et le chat s'étira, les pattes en avant. Puis les pattes dans l'arrière. Puis le dos et le cou. Et la petite fille s'étira avec lui les bras, les jambes, le dos, le cou. Et elle inspira profondément et expira doucement. Et au bout d'un moment, elle se remit à sourire de toutes ses dents. Tu vois, c'est amusant, dit le chat. Et je parie que tu te sens mieux. Ah oui, ah, je me sens mieux là. J'ai envie de courir partout. Attention, fit le chat. N'oublie pas de suivre le chemin qui te ramènera à la maison. Te souviens-tu de la comptine du papillon? Ouais. Tout droit, 200 pas. Ah, ça, je l'ai déjà fait. Aux 1000 pattes, tu tournes à droite. Ah, ça aussi, je l'ai fait. Il était drôle, le 1000 pattes. Il avançait comme ça, mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, avec ses 1000 pattes. Et ensuite, à la fourche, tu piques une course. Et là, j'ai tellement couru là, que je me suis trop fatiguée. Ensuite, demanda le chat, il fallait faire quoi dans la comptine? Fourche, tu piques une course. Ah oui. Au bord de la rivière, prendre un peu d'air. Mais c'est ça que j'ai fait! Oh oui, c'est ça que j'ai fait sans m'en rendre compte! Ensuite, c'était quoi déjà? Ah oui, au bord de la rivière, prendre un peu d'air. Au bout de quelques pas, tu seras chez toi! Chez moi? Au bout de quelques pas? Oh oui, je vois la maison là-bas, regarde, je suis presque rendue! Oui, répondit le chat.
Jean. Tu n'es qu'à quelques pas de chez toi, mais tu ferais mieux d'y aller vite. Grand-père s'inquiète beaucoup. Et juste comme la petite allait reprendre sa route, une jolie petite voix retentit de l'autre côté de la rivière.
Thank you.
J'ai trouvé l'extrait de la petite fille, la petite fille, qui a enlevé sa chaîne. As-tu apporté des jouets pour jouer? Au souffle, au vent, etc. Marc,
Evelyne Lange à la batterie. Amélie Prévost ici, qui animait, qui a fait un merveilleux conte. Ainsi que moi-même, Guillaume Sucy. Merci beaucoup.